Après l'hôpital général d'Adjamé, le chef du gouvernement, Patrick Hachi, est dans la cité des Antilopes. Le premier ministre est venu réouvrir les services du CHR à moitié fermé depuis plus d'un an. La maternité et ses deux blocs opératoires ont fait peau neuve, pendant que la pédiatrie retouchée, désormais équipée de couveuses ainsi que du matériel de pointe pour la diabétologie et les laboratoires. La deuxième phase de la réhabilitation concernera 12 autres services de spécialité que sont le cabinet dentaire, la cardiologie, l'ORL, l'ophtalmologie, la gastro-entérologie, la dermatologie, la rhumatologie, la chirurgie, la médecine, la radiologie et les bâtiments des hospitalisations. À terme, le CHR de Dallois passera de 120 lits à 200 lits afin d'améliorer la qualité des soins et la prise en charge des malades, mais aussi offrir un meilleur cadre de travail au personnel de santé conforme aux normes. Ce n'est que la première étape des travaux de rénovation. Une deuxième étape viendra ajouter le couvert avec le programme de remise à niveau des plateaux sanitaires sur l'ensemble du territoire national. Cependant, le chef du gouvernement appelle le personnel de la santé régionale à jouer sa partition. Quand on a offert un tel plateau technique qui vous met dans des conditions de travail les meilleures, vous puissiez faire également votre part. Quelquefois, quand le malade arrive, il est déprimé, il est désespéré. Et tout ce qu'on voit là, tout ce qu'on va visiter, il ne le voit même pas. Parce qu'il pense à sa maladie. Dans ces moments-là, c'est vous seul qu'il voit. Un simple sourire, un simple mot gentil de votre part, c'est plus que tous les médicaments que vous allez donner. Parce qu'il attend le réconfort, il attend l'attention, il attend l'apaisement, il attend l'espoir. Et vient chercher à lire dans vos yeux que sa maladie là, il va guérir. Cette série de modernisation rentre dans le cadre d'un vaste programme entrepris par l'État de Côte d'Ivoire depuis 2019 et va coûter plus de 80 milliards de nos francs CFA.